Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en Haute-Savoie, on va faire l'aiguille verte aujourd'hui et on va dormir au lac de Lessy. Pour cette rando, nous serons accompagnés de Martin qui est derrière, Maxou et bien sûr Olive. Donc on va bien kiffer je pense. Voilà, on vient de garer la voiture, petit casse-croûte tous ensemble. Maxou, salade de pâtes, Tintin, petit sandwich. Qu'il a amené bien sûr. Puis la vue est déjà très cool. Petit chalet typique et puis déjà ouais voilà belle vue on va kiffer. On se sent comment les loulous là, ça va? On est bien. Et bah allez hein, que du bonheur, c'est parti. Donc pour parler rapidement de la rando, c'est à peu près 1000 mètres de dénivelé positif et en tout la boucle fait 6h10. Donc voilà, donc nous on dormira au lac de Lessy. On vient de faire la première côte, plutôt musclée, première goutte de sueur qui arrive, mais voilà la vue est là hein. Après une heure de marche, on a fait 3 km. La team est toujours au complète. Et ouais, la vue quoi. On est pas mal hein. Voilà, donc on va repartir et on doit aller là-haut. On vient de passer une portion assez raide, même plutôt très raide. On est quasi à 1800 mètres d'altitude. C'est plus plat. L'équipe en place. Et voilà. Franchement, on se régale. On se régale. Après 2 heures de marche, on vient d'arriver au lac. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et du coup, on va dormir par ici ce soir. Et là, on va aller jusqu'à l'aiguille verte. Elle est tout là-haut. En pleine ascension de l'aiguille verte, ça monte sévère. Faut regarder où on met les pieds. Tout le monde est motivé, on est chaud. Il reste encore quelques minutes. Arrivé au sommet. Après 2h47 de montée, nous voilà au sommet de l'aiguille verte. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et puis voilà, hein, le lac de Lessy. Magnifique vue du haut. Et la vue, ouais, c'est magnifique. Hein. Encore une fois, je me répète, mais voilà. Hein. Tout au fond, il y a le Mont Blanc. On a une super visibilité. Olive en place. Maxou et Martin, ils sont là-bas. Et puis voilà, que du plaisir. Que du plaisir. On est en train de descendre l'aiguille verte. On arrive de nouveau au lac de Lessy. On a vu qu'il y avait une petite buvette qui était ouverte. Donc là, le lac est là et la buvette est un peu plus haut. Et on va essayer d'aller boire une petite bière pour le réconfort. Allez, c'est parti! On vient d'arriver à un petit refuge. Regardez si on va pas être bien là. Petit transat, très sympa, avec vue sur le lac. Voilà. Donc très sympa. Ils sont posés, ils attendent leur binge. On vient de se poser dans les transats là. Ah là là. Tac, petite binouze pour la team. Sympa. Bébête. Petite binouze, chin. Rip. Voilà, ils sont beaux. Santé. Chin. 2 hours later. Bon, clairement, la météo n'est pas avec nous. Comme vous voyez, le ciel est plutôt orageux. Là, il y a une botte. Mais bon, c'est pas grave, hein, on garde la foi. Et puis on va essayer de se caler ici.
avec l'équipe. Puis on prie pour que la pluie ne soit pas trop forte. Le bivouac là, vous le sentez comment? Nickel. Bien. Lourd. Lourd. Lourd, très très lourd. Mouillé. C'est carré ou pas? Très humide. Ouais. Allez, on va déplier les tentes, c'est parti. Allez, let's go. Ah, va Dieu, il fait moins 10. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? Oh là là, bon, bah voilà. Hein. 18, allez, un petit 19h et la pluie est déjà là. Petite cacahuète partie. Allez. La pluie vient de s'arrêter. Du coup, on en profite. On va aller escalader dans un refuge, boire 2-3 bières et manger au chaud. Et on dormira dans la tente là. On est bien accompagnés en plus ce soir. Il y a les copains. Après on travaille le style. Hein. On y est bien. Notre nuit en bivouac c'est compliqué un peu là. Voilà, il pleut un peu, hein, on se mit à l'abri. c'est souvenir. On vient de trouver un petit hébergement ici. Voilà, juste pour manger au chaud. Puis voilà. Hein. On est juste temps. La vie est très belle. Hein. Le refuge est full, donc on va dormir en tente. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon appétit, bien sûr. À toutes. Il est 8h. On a survécu à la tempête. Non, il y a eu beaucoup d'orages en vrai. C'était compliqué. Beaucoup d'eau. Mais les tentes, voilà, sont restées imperméables. Pas une goutte d'eau à l'intérieur, un peu de condensation, mais bon, ça va. On est comment là, les loups? Bien, bien. Cette forme. On est comment par ici? Top. La vue est quand même plutôt sympa. Hein. Les petits nuages qui épousent les parois. Bon, après un bon petit déj, on a plié les tentes, tout ça. Tout est rangé. Direction. La voiture en douceur. Allez, ouais. C'est parti les loups. On dit au revoir au lac. Le lac d'ailleurs qui est un peu sous les nuages. Voilà, ambiance très mystique, très sympathique, très épique. Donc voilà, je viens de marcher dans une bouse. Allez. La rando se termine, on vient d'arriver à la voiture. Bien joué les amis. Bien joué les gros. On aura fait une belle rando. Très très belle rando avec du fort potentiel. Même si l'orage a gâché un peu cette rando bivouac. Mais on reviendra avec le soleil. Donc maintenant à vous de jouer. Belle rando, à bientôt. Ciao.